kiss. It doesn't make sense to anybody else who cares. If you're all I think about, I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que ça fait, je crois bien, 3 semaines que je vous en ai pas tourné. Je m'excuse vraiment, j'en suis vraiment désolée. J'en suis la première super triste en fait parce que j'ai eu 15 jours de vacances, donc les 15 jours de vacances de Noël. J'étais persuadée que j'allais être tranquillement chez moi et que j'allais pouvoir voilà, tenir le blog, vous faire plein de vidéos. J'avais plein d'idées de vidéos en tête et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc j'en avais parlé un peu sur Facebook, donc sur la page Facebook du blog. Donc voilà, rapidement en fait, il y a eu des soucis d'appartement pour ma grand-mère et du coup on a dû lui en trouver un autre très très vite. Et on a déménagé en quelques... Enfin, on l'a déménagé en quelques jours de temps. Donc voilà, ça a été... je crois que ça a été les pires vacances de Noël de ma vie. Mais... et voilà, maintenant c'est passé. Malheureusement, j'ai repris les cours. Donc la semaine dernière, c'était une semaine de folie. J'avais pas un seul moment à moi. Donc impossible de vous tourner ces vidéos. Là, je suis super contente parce que le, voilà, l'emploi du temps de cette semaine est beaucoup plus léger. Par exemple, j'ai pas cours ce matin, donc là on est mardi. J'ai pas cours ce matin, j'ai pas cours demain matin. Donc voilà, ça me permet déjà de rattraper tout le sommeil que j'ai en retard. Et ça me permet aussi voilà, de reprendre un peu mon activité YouTube parce que ça m'a beaucoup manqué. Donc voilà, trêve de blabla. Je vous souhaite aussi, avant que j'oublie, une très 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 bonne année 2014. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que tous vos voeux se réalisent. Et... comme je l'ai dit sur ma page, franchement, n'abandonnez jamais vos rêves. Si y a quelque chose qui vous tient à cœur, bah, battez-vous pour ça. Voilà, j'en parle en connaissance de cause. Moi, on m'a toujours dit que je ne serais pas capable. Et au final, en se battant, eh ben, on arrive à toucher son rêve du bout des doigts. Donc franchement, battez-vous, réalisez vos rêves et n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Parce que si c'est ce que vous avez envie de faire, eh ben, battez-vous pour le faire. Donc voilà, après ces belles paroles, je viens vous présenter aujourd'hui mon top 10, même si c'est pas vraiment un top 10 parce qu'en fait je les ai pas mis dans l'ordre. Donc en fait mes 10 lectures coup de cœur, vraiment les 10 livres que je retiens de mon année 2013. Je vous la poste du coup, enfin je vais vous poster cette vidéo du coup un peu en retard. Elle était prévue pour la première semaine de janvier mais bon, malheureusement j'ai pas pu. Mais je viens vous parler donc aujourd'hui de ces 10 livres. Alors si vous me voyez regarder tout en bas, c'est parce que j'ai la tablette pour vraiment me souvenir de tous les livres. Parce qu'en fait, il y en a en livre papier, donc il n'y a pas de soucis, ils sont avec moi. Mais il y en a surtout pas mal que j'ai lu sur ma Kobo. Donc qu'il faudra que je vous montre voilà, sur la Kobo. Donc c'est surtout pour pas en oublier. J'espère que ça ne fait pas trop de reflets. D'ailleurs, je vais peut-être la mettre plus loin parce que je me dis que je dois avoir le reflet dans les yeux. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme je vous dis, je ne les ai pas du tout mis dans l'ordre. Donc voilà, c'est vraiment mes 10 livres coup de cœur de l'année 2013. Il n'y en a pas un plus chouchou que d'autres. Enfin peut-être que si, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps et le courage de m'asseoir devant tous ces livres et de me demander dans quel ordre les mettre. Mais ce qui compte, c'est que c'est mes coups de cœur, que je vous les conseille, qu'il faut les lire. Et de toute façon, je vais tous vous dire à chaque fois qu'ils sont géniaux, que c'est de la bombe et qu'il faut les lire. Donc voilà, pas besoin d'en mettre un à la 5ème place, à la 4ème ou je ne sais quoi, ils sont tous géniaux. Donc on commence tout de suite avec un livre que j'ai lu je crois début de l'année dernière. Donc il s'agit de Enfermité de Brody Ashton, donc chez Milan McAdam. Donc que bien sûr j'ai adoré, adoré, adoré. C'est vraiment un livre qui m'avait, mais tout de suite... Je m'en souviens, je l'avais vraiment dévoré assez rapidement. En même temps, il n'est pas très très long. Donc quand même 373 pages. Mais il n'est pas très très long, il se lit très très vite. Et voilà, c'est juste du bonheur. Donc pour vous placer un peu le speech, c'est Nikki donc, qui a disparu sans laisser de traces. Voilà, elle a disparu et en fait, elle a été emmenée par Cole, donc qui est un infernaute.
elle a été emmenée en infirmité et il va lui donner la possibilité de retourner sur Terre pendant 6 mois, je crois. Peut-être, je ne sais plus. Pendant 6 mois, mais elle va donc là-bas retrouver Jack, elle va retrouver sa vie et Nikki aura le choix soit de rester dans le monde terrestre, donc dans notre monde, pendant 6 mois, mais de mourir, soit de retourner en infernité avec Cole et donc de vivre pour l'éternité. Donc voilà, au-delà du triangle amoureux Nikki, Cole, Jack, il y a aussi une histoire de vie ou de mort, c'est-à-dire que c'est pas seulement je choisis Jack et je mets Cole à la porte, c'est si je pars avec Cole, je vivrai toute la... je vivrai... certes en infernité qui est un endroit absolument horrible, mais je vivrai pour l'éternité, soit je vis 6 mois d'amour passionné avec Jack mais je meurs. Donc voilà, je vous en dis pas plus, le tome 2 est sorti il y a un petit bout je crois. Enfin moi je suis pas douée avec les durées, hein. Des moments je sais même plus quel jour on est, alors faut pas me demander. Mais je crois qu'il est sorti quand même il y a un petit moment, je l'ai toujours pas lu. Malheureusement, mais franchement j'espère qu'il fera partie de ma prochaine commande Gilbert Joseph parce que j'ai vraiment très 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 envie de lire la suite. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite celui que j'ai mis, je suis là dans lequel je vous les ai mis sur le blog, je vous mettrai aussi le lien de l'article en barre d'infos si vous voulez. Donc le prochain c'est Nos étoiles contraires de John Green, donc je ne peux pas vous montrer parce que je l'avais lu en empruntant à la médiathèque, donc je peux même pas vous montrer sur la couverture parce que je l'ai pas en e-book. Mais voilà, Nos étoiles contraires, c'est le livre, je crois qu'on en a entendu parler sur tous les blogs et sur toutes les chaînes YouTube possibles et inimaginables. C'est, voilà, il mérite son succès, il mérite toutes les larmes qu'on a certainement tous versées sur ce livre. C'est un bijou, une petite pépite. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que c'est Hazel et non c'est pas Augustus, j'ai du mal avec les prénoms parce que je l'ai lu rapproché d'un autre livre et du coup ils ont à peu près les mêmes prénoms. Si c'est Augustus c'est ça, je sais plus, je crois bien que si c'est ça. Oh. Bref, c'est donc deux jeunes adolescents qui sont pour lui en rémission d'un cancer et elle je crois qu'elle a un cancer des poumons et de la thyroïde si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et donc ils vont se rencontrer et bien sûr vont vivre de folles aventures et vont nous faire pleurer toutes les larmes de notre corps. Le film sort très très bientôt, j'ai hâte de le voir. J'espère vraiment qu'ils vont voilà, garder ce qui fait que Nos étoiles contraires, voilà, c'est un livre qu'une fois qu'on l'a lu on peut pas l'oublier. J'espère vraiment que voilà, que le réalisateur du film va garder ça et qu'on va tous sortir de la salle de cinéma en larmes. Donc voilà, mais Nos étoiles contraires de John Green, je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas lu. Et faut pas croire que c'est un livre sur le cancer qui parle du cancer. Non, comme je l'ai déjà dit, je crois dans mon point de lecture et dans ma chronique, et je suis pas la seule blogueuse à le dire ou la seule youtubeuse à le dire, c'est un livre sur le cancer certes, mais qui parle de la vie, qui nous fout un coup de pied aux fesses, c'est le cas de le dire. Je suis désolée de parler si crûment, mais c'est la vérité. Nous aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui je vais bien, je suis pas malade comme Hazel peut l'être. Donc il faut pas s'apitoyer sur notre sort, même si parfois la vie est difficile, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est un livre qui nous dit vas-y, vis ta vie, croque-la à pleines dents, tu sais pas ce qui se passera demain. Et voilà, c'est vraiment une belle ode à la vie et c'est vraiment ce qui est très très important dans ce livre. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite je viens vous parler d'une saga, c'est celui-là, oui, d'une saga que j'ai découverte là il n'y a pas très longtemps, je crois que je l'ai lu en septembre, au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très très longtemps non plus. Et voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai le tome 3 qui m'attend en e-book et j'ai hâte de finir cette trilogie. Donc il s'agit de Burstmarked. Donc là c'est le tome 1, Rebelle. J'ai aussi inclus le tome 2, donc qui est banni, mais il est sur ma Kobo. Et je vous avoue que le temps qu'elle s'allume et tout blabla, on n'est pas sorti. Mais voilà, je vous montre le tome 1. Donc voilà, Burstmark c'est vraiment aussi une saga coup de cœur. J'ai adoré, adoré, adoré. Alors je sais pas si c'est vraiment le côté sage-femme de notre héroïne qui fait que j'aime autant, parce que c'est vrai que même si
moi c'est des études d'infirmière que je fais, tout ce qui est gynéco-obstétrique, c'est totalement mon truc. Donc voilà, et parlons des choses glamour. Non, sérieusement, c'est vraiment un monde qui me parle. Voilà, quand Gaïa exerce son métier sage-femme dans les livres, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Mais au-delà de ça, c'est un monde dystopique très riche, très sournois, très, enfin, vraiment dystopique à fond les ballons. C'est pas non plus aussi, comment dire, aussi drastique, autoritaire, ou vraiment tout ça que l'on peut peut-être le trouver dans Hunger Games ou dans Les âmes vagabondes par exemple. Mais il y a quand même un côté assez sournois, assez sadique dans ce monde dystopique qui nous fait frissonner. Donc voilà, c'est une saga vraiment que je vous conseille beaucoup. Gaïa est très 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 attachante. Et voilà, je pense qu'on peut que aimer cette saga, donc je vous la conseille vivement. Ensuite, le prochain livre dont je viens vous parler, alors celui-là je vais peut-être vous le montrer sur la Kobo, parce qu'elle s'est enfin allumée. Mais le temps que je le trouve, donc c'est un livre, je sais plus, je crois que je l'ai lu cet été, ou même avant cet été, je ne sais plus, voilà il est là. Ça va, je pense pas vous étonner, parce que voilà, tous ces livres font aussi un tabac. Sur la blogo, ça c'est le premier, donc il s'agit de Confusion de Kate Clark, donc que j'ai mis dans ce top 10 parce qu'il m'a bouleversée, parce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que je meurs d'envie de lire Revanche, que j'ai depuis pas très longtemps dans ma Kobo et qui risque de pas y rester très longtemps. Donc voilà, non, vraiment Confusion de Kate Clark, j'aurais très bien pu mettre Cruel aussi, parce que Cruel était super aussi, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai mis celui-là parce que c'est le premier que j'ai lu, et puis voilà, j'avais envie de mettre celui-là. Mais vraiment, je vous le conseille, Kate Clark, elle a ce don de parler de choses d'actualité, en fait, c'est tout ce dont elle nous parle, ça pourrait exactement se passer là, maintenant, tout de suite, avec n'importe quelle jeune fille de n'importe où, de New York, de Toronto, de où vous voulez. Et vraiment, ça, c'est juste génial. Au début, on se dit qu'il y a quelque chose de fantastique là-dedans, mais en fait, il n'en est rien. C'est vraiment réaliste. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça nous touche autant. C'est parce que... encore Confusion, on est un peu dans le vague. Au début, on se dit qu'est-ce qu'elle raconte. Et puis à la fin, on est tous choqués. Et puis voilà, puis on est dégoûté parce qu'il n'y a pas de suite. Et du coup, on fait la tronche. Enfin, ça a été mon cas. Mais par exemple, dans Cruel, parce que voilà, c'est vraiment pas un sujet d'actualité. Parce que j'espère qu'il ne se passe pas ça tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se passer. N'importe quand, chez n'importe qui, enfin, et c'est ça qui nous touche, c'est vrai, parce que on pourrait se retrouver dans ce genre de situation extrêmement malheureuse. Donc voilà, je vous conseille Confusion, je vous conseille Cruel aussi, je l'ai pas mis dans le top, mais il mérite d'y être, et je vous parlerai certainement très très bientôt de Revanche, parce que j'ai très très envie de le lire. Ensuite, je reviens donc vous parler d'un autre e-book. Alors il s'agit d'une réécriture de conte que j'ai adoré, 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 adoré. Donc je vous mettrai la couverture maintenant parce que ma Kobo va encore faire des siennes. Mais là je suis en train de lire la suite. Donc il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Et oh là là, Cinder, c'est juste de la bombe. J'ai adoré de A à Z cette réécriture de conte, donc de Cendrillon. Et là le tome 2 que j'ai débuté hier, c'est avec le petit chaperon rouge. Et vraiment c'est trop 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 bien. C'est un mélange de dystopie, de science-fiction, il y a des robots, mais il y a aussi ce côté prince-princesse. Enfin c'est un mélange de tout et de rien. Mais au final ça donne un truc explosif. C'est vraiment vraiment génial. C'est de la bombe. Moi j'adore le personnage de Cinder, elle a un sale caractère, mais alors moi j'adore les héroïnes avec un sale caractère, avec un caractère fort. Je pense que c'est parce que moi j'en ai pas un, en réalité je suis quelqu'un d'assez calme, de très réservé, et j'aimerais bien des fois être un peu comme ça, vous savez, envoyer tout balader, et malheureusement je le fais jamais,
ou peut-être heureusement, je sais pas. Mais voilà, les héroïnes comme ça, comme Cinder, j'adore. C'est juste vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà, donc vraiment, je vous le conseille vivement. C'est juste un super bouquin. Ensuite, je viens vous parler, pareil, d'une saga que j'ai commencé cette année et dont j'ai lu le tome 3 en ce début de mois de janvier, qui m'a fait verser toutes les larmes de mon corps. Pourtant, c'est pas le dernier, mais la fin est juste, voilà, dévastatrice. Moi, en tout cas, ça m'a complètement coupé le sifflet. Je parlais même plus, je l'ai lu en voiture. C'était ma mère qui conduisait, donc moi j'étais à fond dans mon livre. Et en fait, sur la Kobo, moi je me fais tout le temps avoir. C'est que je fais pas gaffe, vous savez, au nombre de pages en dessous. Donc du coup, je lis, hein, j'appuie, et je défile de les pages. Et là, d'un coup, il y a marqué « À suivre !» Et donc là, souvent je retourne en arrière de dire « Tu te moques de moi, ce n'est pas possible. » Donc, je viens vous parler de Night School. Donc j'ai mis le tome 1 et le tome 2 dans le top, puisque le tome 3 je l'ai lu en 2014, mais c'est pas grave, il sera dans le top l'année prochaine. Donc de Night School de CJ Doherty, pareil, je vous mettrai une couverture maintenant. Et Night School, voilà, c'est comme Cinder, mais non, en fait c'est pas comme Cinder, c'est de la bombe aussi, mais c'est pas la même bombe, c'est une vraie drogue. Moi, une fois que je suis dans Night School, Je peux pas faire comme Chloé par exemple de Livrancy, qui dans son top a mis le tome 3 et qui nous a dit qu'elle l'avait dégusté. Moi à chaque fois je me dis ça aussi, je vais le déguster, mais au final je peux pas. Plus je lis et plus j'appuie sur ma Kobo, et un jour il va avoir un trou quoi, à force d'appuyer. Non mais c'est vrai, je suis totalement accro. Une fois qu'on est lancé dans l'histoire d'Ali avec Carter, Sylvain, Zoé, avec vraiment avec tous les personnages, avec Nicole, enfin voilà, une fois qu'on est dedans, on est foutu, on est vraiment fichu de chez fichu, on est accro, on ne pense qu'à ça. Là j'ai eu beaucoup de mal, pendant 2 jours j'ai rien lu parce que j'avais pas envie de lire autre chose que ça, mais j'en avais plus parce que le tome 4 il sort pas tout de suite, donc je suis triste. Il faut vraiment que j'arrête de dire des bêtises. Je suis très énervée aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez remarqué. Bref, Night School, c'est voilà, c'est de la bombe. Au début, Chloé, je crois, l'a dit aussi dans sa vidéo. Et moi, je l'avais dit aussi quand je vous ai fait le point lecture sur le premier tome. Au début, on pense à des créatures de la nuit. On se dit, ah ouais, c'est des loups-garous, ou c'est des vampires, ou c'est des garous-vampires, ou des je ne sais quoi, des gremlins, ce que vous voulez. Et en fait, non. On n'est pas déçu. On n'est pas déçu parce que c'est encore mieux. C'est encore mieux que si ça avait été des loups-garous, des vampires, des gremlins, je sais pas, ce que vous voulez, Bigfoot, bref. Non, vraiment, c'est. C'est de la bombe. C'est quelque chose aussi, quand on y réfléchit, qui pourrait très bien se passer aujourd'hui, surtout que, je sais pas vous, mais moi je trouve que le monde part à volo. C'est du n'importe quoi. Et ben là, ça pourrait carrément être ça parce qu'en fait, c'est que des histoires de politique. Mais pas des histoires de politique chiantes comme quand on regarde le JT à la télé soir et qu'on comprend rien à ce qu'ils disent, ou quand on regarde les meetings pendant les élections et qu'on comprend vraiment alors rien, et du coup on sait pas pour qui voter et voilà. Mais non, là c'est une histoire, c'est de la politique, mais c'est de la politique intéressante. Enfin, on est complètement happé. CJ Doherty a vraiment ce don de nous faire lire en fait un truc que si on dit tiens, Night School, ça parle de politique, on le lira pas quoi. Mais au final c'est pas que ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Enfin, je pense que pour vraiment comprendre tout le charabia que je suis en train de vous dire, il faut juste le lire. Vraiment, lisez le tome 1 et lisez le tome 2 et le tome 3, enfin devenez comme nous, devenez accro à Night School. Ensuite, je viens vous parler aussi d'une de mes héroïnes coup de cœur de l'année 2013. Je pense que vous savez de qui je parle, ou peut-être pas, mais j'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. J'ai le tome 3 dans ma palle. Chloé m'a offert le tome 4 dans le swap de Noël. Je suis juste gaga de cette héroïne. Et je me retiens de ne pas me jeter sur les autres tomes. Je viens bien sûr vous parler de ma petite Pénélope, donc Pénélope Green, de Béatrice Beauté. Donc là, c'est le tome 1, la chanson des enfants perdus. Ouais, vraiment,
Penelope Green, c'est voilà, c'est l'héroïne anti, c'est l'anti-héros même peut-être on pourrait dire, que je préfère. C'est vraiment une féministe, voilà, féministe dans l'âme, plus pour l'époque. Donc je crois que c'est vraiment le 19e. À chaque fois je sais plus si le 18e ou le 19e, mais bon bref, vous avez l'habitude. Et vraiment, Penelope Green, c'est de la bombe aussi. Moi, j'adore, 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 j'adore. Je suis vraiment aussi accro. C'est pas la même sorte de tension que dans High School, parce que dans High School, on flippe. Enfin, on flippe vraiment. Dans Penelope Green, c'est quand même plus doux, c'est quand même plus... voilà, on se dit, ah, oh, mais ça va finir bien, c'est pas grave. Que dans High School, on a la trouille. Bref, on vient pour parler de Penelope. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'action, il y a quand même beaucoup, les intrigues sont toujours super bien ficelées. Moi dans le tome 1, j'avais pas trouvé, dans le tome 2 non plus. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, parce que même si on est frustré de pas trouver, bon, en fait on est content de pas trouver. On est content de se faire mener en bateau. Donc vraiment Penelope Green, je vous le conseille. C'est une des super super histoires. Donc pour vous faire un petit pitch rapide, Penelope c'est une jeune journaliste donc qui a 19 ans si je ne me trompe pas, qui perd son papa dans le tome 1 et qui du coup va reprendre un peu l'affaire familiale vu que son père était journaliste également, et elle va s'embarquer dans des aventures pas possibles. Donc voilà, elle va aussi rencontrer Cyprien Bonaventure, donc qui est un marin français. Et ils sont trop trop mignons tous les deux. Même si, comme je vous le disais, pour le moment on n'a pas d'histoire d'amour, mais ils sont trop mignons quand même. Enfin voilà, peut-être que ça sera qu'une belle histoire d'amitié, mais ils sont vraiment vraiment trop adorables. Et j'aime beaucoup, voilà, tout comment le roman est fait, comment nous aussi on cherche des indices avec Penelope. Vraiment, je vous les conseille vivement. Ensuite, le prochain livre, donc c'est un e-book, je ne sais absolument plus quand est-ce que je l'ai lu, mais il s'agit de version bêta, donc de Rachel Cohn, donc pareil je vous mettrai la couverture. Et donc version bêta, c'est aussi un gros 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 coup de cœur. C'est aussi un mélange de dystopie et un peu de robotique, puisque Elysia est un clone, enfin oui, une espèce de clone robot, enfin bref, et elle se fait adopter donc par une famille très très riche. Donc on se trouve sur une île dont je ne me souviens absolument plus le nom, qui regroupe voilà toutes les grosses têtes, tous les riches d'un pays, et ils achètent ces espèces de droïdes, enfin ces espèces de robots clones, pour leur tenir compagnie ou pour leur servir de troisième enfant, donc ce qui est le cas de Elysia dans version bêta. Et ce qui change en fait, c'est que Elysia est l'une des premières droïdes, adolescentes. Avant ce n'était que des adultes, et elle c'est l'une des premiers, des toutes premières adolescentes. Et donc voilà, il va s'en suivre plein de péripéties. On est aussi très vachement happé dans l'histoire. Comment vous dire, normalement Elysiane est censée ressentir aucun sentiment. Enfin voilà, c'est vraiment un robot. Et au final elle ressent des sentiments. Au final elle aime. Et tout ça, donc vraiment elle-même va commencer à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, mais qu'il ne faut pas qu'elle le montre aux autres. Donc voilà, il y a un petit fond aussi de rébellion. Et j'aime beaucoup beaucoup. La fin est bizarre, très très bizarre, mais elle donne envie du tome 2, et je crois qu'il sort dans pas très très longtemps. Je crois que c'est mars 2014 ou février, je sais plus. Si je le retrouve je vous le mettrai dans la vidéo, je crois que c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment un tome 1 que je vous conseille. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur et qu'il sera exactement pareil, même meilleur. Donc voilà pour version bêta. Ensuite, avant-dernier livre, plutôt avant-dernière saga, puisque je viens vous parler des filles au chocolat. Donc de Cœur Cerise, Cœur Guimauve et de Cœur Mandarine, donc que j'ai lu tous les trois en cette année 2013, et qui ont été voilà des petits coups de cœur. C'est les petits livres sucrés qu'on lit voilà quand on a envie de se réchauffer le cœur. C'est vraiment des super super bouquins. J'ai eu peut-être quand même une petite préférence pour le tome 1 et pour le tome 3, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Summer dans le tome 3.
Mais voilà, Cathy Cassidy s'attaque aussi à des sujets d'actualité, et ça, je trouve ça très 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 important. Donc voilà, j'ai pas encore lu le tome 4, donc Cœur Coco, parce que bah, moi je les ai lus en e-book et que je les j'ai pas encore le tome 4 en e-book, mais j'espère que ça ne serait tardé. Désolée. Donc voilà, mais c'est l'histoire de 5 sœurs, si je ne me trompe pas. Donc 4 sœurs et Chérie, donc, qui est la fille de Paddy. Et Paddy va se marier avec la maman donc, des 4 autres filles. Donc ça fait une grande famille recomposée. Et voilà, on parle de sujets d'actualité, on parle de sujets qui nous touchent. Et c'est vraiment voilà, une saga, si vous ne l'avez pas commencé, si vous ne l'avez pas découverte, que je vous conseille vivement également. Et donc on va finir ce top, qui n'en est pas un, 10 de mes coups de cœur livresque 2013 avec Wonder, donc, de R.J. Palacio, qui est lui aussi un livre qui appelle à la tolérance, qui appelle voilà, à faire réfléchir, à passer aussi au-dessus des apparences. C'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Et donc en fait, pour vous faire un pitch rapide, donc Auguste est un petit garçon qui n'a jamais été à l'école, mais là il va rentrer pour la première fois au collège. Alors déjà c'est une situation assez difficile, mais comme on le sait, parce que je sais pas vous, mais moi ma rentrée au collège elle était catastrophique. Bref, et donc Auguste va rentrer au collège. Mais Auguste n'est pas un petit garçon comme les autres, puisqu'il a une malformation faciale. Et donc forcément voilà, c'est... Je pense que c'est l'un des pires handicaps du monde, parce que ça, c'est la première chose que l'on voit chez quelqu'un, son visage. Et Auguste, lui, a tellement un grand cœur, et il croit tellement au début en la bonté humaine et en l'indulgence des gens, la générosité des gens. Et au final, non, tous les gens ne sont pas comme ça, tout le monde n'est pas rose. Et quand il s'en rend compte, bah, moi, ça m'a brisé le cœur. Enfin, je supporte pas ce genre de discrimination, je supporte aucune discrimination. Mais voilà, je supporte vraiment pas ça, tout ce qui est discrimination scolaire, et même au-delà de ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on dévisage quelqu'un qui a une malformation dans la rue? Enfin, c'est quelqu'un comme le... quelqu'un comme nous, au final, à l'intérieur, en tout cas, c'est quelqu'un comme nous. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il est né de travers, ou enfin voilà. Et ça, ce livre, pour moi, il est à faire lire, il est à faire lire à tous les jeunes aujourd'hui, parce que voilà, je pense qu'il serait peut-être temps que la génération qui arrive se rende compte de certaines choses, parce que je trouve que déjà notre génération est vachement basée sur l'apparence. Enfin, en tout cas, je parle de mon ressenti, mais rien qu'encore là, l'école infirmière, voilà, si vous n'êtes pas comme ci, comme ça ne va pas. Enfin voilà, quand est-ce qu'on... Quand est-ce qu'il y aura de la tolérance et qu'on laissera les gens être ce qu'ils veulent être? Et voilà, je trouve que c'est un livre à faire lire, c'est un livre qui apporte un vrai message de tolérance. Et voilà, il faut qu'il soit lu, parce que le tout, ce qui est enfin, tout ce qui est important, c'est pas ce qu'on voit de vous, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je ne juge pas les gens par leur apparence, ça m'énerve. Enfin, moi, quand je vois des gens faire ça, il y en a beaucoup. Et voilà, je ne supporte pas ça. Donc vraiment un très très beau livre. Vraiment merci R.J. Palacio d'avoir écrit sur ce sujet. Et merci aux éditions Pocket Jeunesse de l'avoir sorti, parce que c'est vraiment un livre, voilà, un bijou. C'est vraiment un super bouquin. Il faut que vous le lisiez si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, on va terminer cette vidéo sur une petite note d'émotion sur Wonder. Vraiment, c'est vraiment un livre qui me touche beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce top 10, qui n'est pas un top puisque je ne les ai pas mis dans l'ordre. Je pense que vous l'aurez compris. Mais je suis très contente de vous avoir tourné cette vidéo. Je vous retrouve très, 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 très bientôt, promis, pour de nouvelles vidéos. Là, je reprends mon rythme de vidéo, parce que c'est bon, on a marre des bêtises, hein. Il faut que je reprenne mon rythme. Je suis à jour dans mes chroniques, donc il faut vraiment que je m'y tienne, même si j'ai mes partiels dans 3 semaines qui vont me tomber sur le coin du nez. C'est pas grave. Donc voilà, il faut vraiment que je reprenne mon rythme.
Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo que je vous posterai, ça sera ou un parlant one shout qui a déjà été tourné ou un petit point lecture. Donc voilà, vous verrez ça cette semaine. En tout cas, je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.